On est à 4000 mètres d'altitude. Rosaire, 73 ans, paraplégique, s'élance en tandem avec Jérôme dans le vide pour 40 secondes de chute libre à 200 km/h, puis 10 minutes d'évolution sous voile. Rosaire, retraité militaire, a effectué plus d'un millier de sauts dans le civil. Et depuis son accident, il n'avait pas eu l'occasion d'effectuer un saut en parachute. Cela remonte à 20 ans. Je suis comme un débutant, là, finalement. C'est quelqu'un qui va faire un saut à 4000 mètres. Et... bon, voilà. C'est de l'appréhension, quand même, malgré 1000 sauts derrière soi? Non, pas d'appréhension, mais... je recherche un peu des points, des repères, en fait. Mais un saut en disport demande une préparation au sol bien plus minutieuse que la normale. C'est une activité qui existe déjà en métropole et ils font même des compétitions. Nous, on n'en est pas encore à ce stade-là. On voulait juste le lancer pour permettre aux personnes à mobilité réduite, justement, de pouvoir se lancer dans cette discipline extrême. En l'air, c'est le bonheur total pour Rosaire. Sanglé à son moniteur tandem, il profite du présent, du paysage et des montées d'adrénaline. Le posé se fait tout en douceur, à l'étang salé, et Rosaire a du mal à exprimer les sensations qu'il vient de vivre. Tu as retrouvé les sensations que tu avais reconnues il y a 20 ans ? Ah ouais. La chute, sortie d'avion, un peu... comme on ne contrôle pas, donc on subit un peu, mais c'est ça, la sortie, la position, et puis avant l'ouverture, et à l'ouverture, le choc, le ralentissement, ah ouais, c'est un autre monde, quoi. Tu étais dans l'air, mais tu es heureux comme un poisson dans l'eau, là. Voilà, c'est exactement ça. Le saut s'est super bien passé, Rosaire était impeccable en l'air, nickel. Des bonnes conditions et un super saut. Andy Fly, voilà une nouvelle activité proposée par le paraclub de Bourbon à Pierrefonds. Les paraplégiques peuvent maintenant revivre ou découvrir les joies du saut en parachute en tandem.